Comme tu as laissé, elle est sortie, laisse sa proie. Comme il a attaché, je lui ai laissé et je lui ai dit, bon, on va manger. On va manger. Maintenant, la nuit, je viens vers mon mari. Je prends mon kodjo, je le tape. Avec quoi? Je prends mon kodjo, je le tape. Comment? Je le tape avec mon kodjo. C'est pour quoi? C'est pour prendre, attacher encore au cimetière. Je lui ai rendu bien. Je vais lui manger. Un grand monsieur comme ça. Je vais lui manger. Donc toi, mouton ne te suffit pas. Tu as mangé mouton et puis tu as mangé bœuf. J'ai mangé mouton et mangé bœuf. Qui t'a dit d'envoyer ton mari? Personne ne m'a pas dit. C'est moi-même qui l'ai envoyé. Je vais te laisser tomber. Ton mari, là, il y a quatre personnes qui sont dedans. Toi, tu es une reine sorcière. Qui t'a dit de venir prendre ton mari? Ce sont mes camarades qui sont là-bas. Quels camarades? Mes amis des esprits mal qui sont tués aussi comme moi. Non, pas non. Il s'appelle Kapou. Il est où? Il est là-bas. Kapou, il est où? Il est. Hein? Il est là-bas. Kapou quoi? Non, je ne connais pas son nom français. Il s'appelle Kapou. Madame, nous sommes de vous laisser. Non, tu ne peux pas me laisser, mon préfet. Il s'appelle Kapou. Chez lui. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que ton mari est devenu chef de tribu. Mm-hmm. Et ces gens-là qui sont venus te voir pour te donner son âme. Et puis ils ont réussi à prendre ça. C'est ça, il dit il s'appelle Kapou, là. C'est à moi, très joli. Je ne joue pas avec toi, mon préfet. Je ne joue pas avec toi. Donc, je suis venu attraper mon mari, d'envoyer. J'ai envoyé. Madame, donnez-moi le nom des gens. C'est tout ce que je veux. C'est ça, il dit à un...